Vous savez, nous, ils se défendent en disant, mais nous, c'est les gens qui demandent ça. Les gens, ils ne demandent rien, les gens. Les gens ne demandent rien. C'est vous qui donnez. Les gens ne demandent de rien. Demain, si sur une chaîne publique, je décide, parce que je suis président de la télévision, de mettre des films en noir et blanc, sous-titrés en javanais et en roumain, au début, l'audience a passé de 30 à 4, et puis un jour, elle va remonter doucement. De 4 à 6, de 6 à 8, de 8 à 10, de 10 à 12, elle va revenir à 36. Comme le sucre dans le café, on boit sucré, genre, ah non, mais attends, moi, toujours sucré. Hein. Non, mais c'est imbuvable, le café sans sucre. Ouais. Ouais, bah, vous emmenez la personne dans une maison de campagne deux jours où il n'y a pas de sucre. Au bout de deux jours, elle s'est fait. Et allez lui foutre un sucre dans son café, vous allez voir. Ah, non, c'est imbuvable, du sucre. Ça s'éduque, un peuple. Donc, je pense qu'aujourd'hui, trop de consommation tue la consommation, trop d'information tue l'information, et que maintenant, aujourd'hui, on se fout de ce que quelqu'un dit sur Internet. La seule chose qui est intéressante, ou de ce qu'il a fait, même une chose ignoble, ce qui est intéressant, le réflexe, c'est, t'as vu, ça a été visité par 853 000 abonnés. Non mais on s'en fout, savoir si... Et hop, deux secondes après, il y a une autre information. Et comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Les peuples, les dictateurs avancent, ils font ce qu'ils veulent avec les peuples, parce que nous, on est complètement dans l'information, the media is the medium, on est perdu là-dedans. T'as vu ce qu'a dit machin? Ouais, et qu'est-ce qu'ils pensent dans son adon? Ah oui, parce que alors j'ai un autre acteur là qui pense ça, et de... on a strictement... Voilà. Non, mais après, vous faites votre métier, oui, je comprends. Ouais.